easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi matin, comme vous avez vu ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach. Donc là on a une semaine normale pour un petit peu essayer de progresser encore. Et ensuite j'ai de nouveau une peak week puisque j'ai une compétition dans 2 semaines. Hier j'ai recommencé à compter et j'ai aussi fait 40 minutes de cardio. Aujourd'hui on verra donc ce qu'il me dit pour cette semaine. Sinon il est 11h, là je suis en train d'aller à la salle, je vais aller m'entraîner, j'ai les jambes aujourd'hui. Je suis encore orange, enfin orange, bronzée, mais ça fait vraiment pas naturel. Les gens me regardent genre, elle a vraiment abusé sur l'auto-bronzant celle-là. Mais voilà, ça part pas avec la douche, hein, ça va mettre une semaine avant de partir. Mais voilà, donc aujourd'hui j'ai les jambes, je pense que j'irai faire mon cardio ce soir. Comme ça je sais, ben, j'aurai le retour de mon coach, donc je saurai combien de temps je dois faire de cardio. Et surtout, en fait, faut que je me dépêche parce qu'à 15h je vais shooter avec Eder. Hier on a déjà fait un shooting, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo. On a fait un shooting à la salle et aujourd'hui on va faire un gros shooting en extérieur. Je pense qu'on va faire 2 ou 3 lieux différents avec différents outfits, différentes tenues. Donc voilà, je me réjouis, mais du coup je dois me dépêcher, il est déjà 11h, faudra encore que je rentre me doucher, que je mange, que je prépare toutes mes affaires parce que j'ai même pas encore eu le temps de préparer les habits que je vais prendre avec. En fait hier j'étais vraiment un peu sous l'eau, j'ai dû faire tous les check-in de mes clients hier soir, ce matin, et honnêtement je suis vraiment fatiguée après mon concours, je suis franchement crevée, donc j'ai dormi assez tard ce matin, je me suis réveillée à 9h30 hier aussi, mais du coup, enfin je me couche tard aussi, je me couche à 2h du matin, c'est pas très malin non plus, bref, on s'en fout. Donc je vais aller m'entraîner. Je voulais juste encore vous montrer, j'ai commandé un petit collier, il est trop chou. Donc c'est Anaïs qui me l'a envoyé, je vais vous mettre le lien vers son shop Etsy dans la barre de description. C'est de la tourmaline rose et je l'adore, il est vraiment trop chou. Je m'attendais à quelque chose de plus gros et en fait il est vraiment tout petit et c'est j'aime trop. Et elle est super chou parce qu'elle m'a mis des cadeaux encore dans le paquet, c'est super gentil, donc voilà. Et elle fait des trucs vraiment super beaux, donc n'hésitez pas à aller voir son shop Etsy. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation, I ain't never met a limitation. Hater plotting my elimination, gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, 12 can't really stop shit, so I'm still pushing like a mosh pit.
Ice dripping, think I'm hot shit. In a yellow bucket with a mop stick. I've been jugging jams like wholesale. Everything must go sell. Hitting bitches with the old well. Need 100 million on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make dollars, I don't make deals. I've been going hard in the paint still. Blowing kush clouds till I can't feel like. Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the fast stick, you can get high. Alors il est bientôt 3h, je suis allée m'entraîner, donc mon entraînement s'est très bien passé. Je sens quand même que j'ai beaucoup moins de force qu'avant, c'est un truc de fou, mais enfin bref. Ensuite je suis rentrée, j'ai mangé et là je suis en train de préparer toutes mes affaires pour le shooting. Je vais partir dans 2 minutes. Là j'ai juste préparé, il y a des pantalons, des shorts, des trucs de sport, des trucs beaucoup moins sport. Ce sera pas forcément un shooting fitness, ce sera plutôt beauty, sexy, quelque chose un peu comme ça. Donc on verra un peu ce qu'il a en tête, on verra. Bon là je suis pas encore en retard, mais si je traîne trop je vais l'être. Donc je vais directement y aller, comme ça je serai pour une fois à l'heure. Bon finalement j'ai un peu d'avance. Ou plutôt il a un peu du retard, ma part. j'ai reçu l'update de Stephen. Donc pour cette semaine on augmente les glucides, on augmente les lipides par rapport à la semaine avant la peak week. Donc avant la peak week j'étais à 150 protéines, 90 lipides et 70 glucides. Et maintenant on garde les protéines la même chose et on monte à 95 lipides et 75 glucides. Donc voilà, je gagne 5 grammes de chaque, ce qui est cool. Le cardio reste le même, donc cette fois 40 minutes par semaine. Et sinon il m'a dit que pour la deuxième peak week on va être un tout petit peu plus agressif avec les glucides probablement. Le jour du show faudra que je mange plus de sodium et que je boive plus d'eau. Je pense que j'étais quand même un petit peu flat d'après ce qu'il me dit, donc être un peu aussi, alors plus un plus grand apport en eau et en sodium le jour du concours. Donc voilà, je me réjouis, on verra ce que ça donne. Puis sinon bah il est super content, il est, enfin il me dit voilà, gagner l'overhaul là, ton premier show c'est ouf, donc on va faire en sorte de continuer comme ça et puis on verra ensuite s'il y a une suite. Again, phenomenal job this weekend, dude. I'm super proud. Winning an overall at your first show is a huge deal. So let's hopefully look forward to continuing that trend and continuing to just kick fucking ass. Someone told me this ain't love. There's no way you get into my heart. Gotta move on. Keep it together before you fall apart. And there's no reason to be numb, but I can even fall asleep until the dawn. If there's no love, then there's no lust. Whatever you got, I'm about to give it up. Je me fais engueuler. C'est mieux, non? Oui. On dirait un. En train de chercher quelque chose. Mets-toi ici. On vient de finir le shoot avec Adair, là je suis en train de rentrer. On a fait 2 heures de shooting et franchement les photos vont être ouf. Je vais en insérer quelques-unes maintenant mais elles sont incroyables, je me réjouis trop de les voir. I'm not in love, I'm just pretending, I'm not in love, I'm just forgetting.
Alors il est 21h15 et je vais enfin aller à la salle faire mon cardio. Quand je suis rentrée avant, et ben il était quoi, 6h30, je sais plus. J'ai mangé un petit truc et puis j'ai bossé jusqu'à maintenant, j'ai tellement de choses à faire. Hier je voulais bosser toute la journée mais finalement ben, j'ai eu du cardio à faire. Ensuite j'ai eu un rendez-vous un peu imprévu de au moins 3h, j'ai pas pu bosser autant que je voulais. Du coup j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, j'ai toujours pas fini d'éditer, enfin je viens de commencer en fait d'éditer la vidéo du concours. Du coup voilà, je vais aller faire mon cardio maintenant. Et puis ensuite je vais rentrer manger. Et puis continuer d'éditer ma vidéo après, je pense jusqu'à 2-3h du matin, on verra. Mais au moins j'ai pu terminer tous les check-in de mes clients, donc comme ça j'ai pas pris de retard de ce côté-là, ce qui est le plus important quand même. Alors on est mardi, il est midi, là je vais aller à la salle, je vais aller faire mon cardio, ensuite je dois rentrer manger et puis à 14h il faut que je parte, je vais à Neuch, je vais aller m'entraîner au Let's Go avec une copine. C'est une salle que j'avais déjà essayée, je vous l'avais montré dans mes vlogs, je sais plus quel épisode, mais elle a des cours qui ont été annulés cet après-midi, puis elle veut aller essayer cette salle, donc je vais avec elle. Donc c'est cool, ça me fera un peu changer d'environnement. Ce matin, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 54,7 kg. Je suis passée sous la barre des 55 kg et c'est un truc de fou parce que samedi soir j'ai eu le burger, les frites. Dimanche j'ai mangé 100 g de glucides parce que j'ai repris les macros du mercredi de ma peak week. Et hier bah, j'ai eu l'update de mon coach et on a redescendu, enfin on a augmenté par rapport à avant la peak week, mais bref. J'ai quand même plus mangé, beaucoup plus mangé ces derniers jours. Et voilà, j'ai passé sous les 55 kilos. Donc c'est top. Enfin, d'un côté, je sais pas trop si c'est bien. Parce que ce qu'il m'a dit hier, c'est qu'il faut vraiment pas qu'on devienne plus sèche. Je dis con, c'est que je. Hein. On parle toujours en on, mais voilà. Il faudrait pas trop que je sèche plus. Alors, il est 14h30. Là, je suis en train de partir pour Neuchâtel. Pour une fois, je suis à l'heure. Donc voilà, j'essaierai de vous filmer mon entraînement là-bas. Et puis c'est tout, je n'ai absolument rien à dire d'intéressant en fait. Starving, now I'm eating till my belly full. From up north, we get cold, you need a heavy toe. Scared to end up on a shirt before a centerfold. Devil on my back, target on me, deadly too. Play for keys, don't tweet. It's not peace, don't speak. 24, no sleep. This is real, no tweet. My bros for life, can't break this link. Family on my side, baby, stay around me. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want this. I'm all in my ass where I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. I'm all in my ass where I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. Want that combo, better know you'll need a check from me. Can't pay to play, the sun is still won't get a cent from me. I mix the fit up with the sound like it's a remedy. I mix it up inside a pot, watch it drip while it drop, drop. Time to take it to the top. Chips all in the middle like it fall, no I won't flop. We gon' pop, pop, like a soda can top. To me this is nothing, call my bluff and I won't stop when I flex. I don't want no combo, I want checks. I want the checks, yeah. I don't want the second, I want best. I want best, yeah. By any means, that's a triple threat. A triple threat. Yeah, this is getting bigger, I might flex. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. I'm all in my ass, where I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. Flex. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. Alors je viens juste de finir de m'entraîner, un assez court entraînement, donc voilà. Comme ça c'est bien passé, j'ai eu un bon pump, mes veines c'est un truc de fou. Donc là je vais me doucher et puis on va aller boire un café encore. Alors je viens de revenir de Neuchâtel, il est 20h30 et je me suis fait à manger. Je vais juste vous montrer parce que pour une fois j'ai changé, au lieu des haricots j'ai mis des brocolis et au lieu du poulet j'ai mis du thon. Donc voilà, c'est du silence, toujours la même chose, c'est des champignons, épinards, de l'avocat, de l'huile d'olive
Et puis dessus je vais encore ajouter la sauce de chez NU3, sauce tomate cette fois parce que je suis à court de sauce barbecue. J'attends mon colis, je devrais le recevoir demain normalement. Donc cette fois je vais mettre celle-là. Elle est bonne aussi hein, mais personnellement je préfère la barbecue. Alors on est mercredi matin, il est 11h, là je suis en train d'aller chez la physio. Mon dos ne se remet vraiment pas donc j'espère que ça va aider. Sinon j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui donc c'est vraiment cool. En plus il fait super moche. Du coup je vais juste après la physio aller faire mon cardio. Je vais juste passer en ville faire un truc. Et sinon je n'ai rien d'autre à faire de ma journée à part éditer cette vidéo que j'ai pas encore commencé d'éditer. Donc je pense que cet après-midi, enfin après mon cardio, je vais rentrer me poser au lit et passer mon après-midi au lit à éditer la vidéo et puis juste à rien faire parce que honnêtement je suis vraiment fatiguée aussi. J'ai le contre-coup de samedi, j'ai vraiment pas beaucoup dormi ces dernières nuits parce que je me couche très tard. Et vu que samedi j'ai pas pu travailler de la journée entière, j'avais beaucoup de choses à faire. Je dormais entre 5 et 6 heures ces 3 dernières nuits et là je commence vraiment à crever. Donc je vais juste profiter d'aujourd'hui, du fait que je m'entraîne pas, pour me reposer un petit peu. Alors on est jeudi matin, il est 11h, là j'avais un rendez-vous pour le projet, puis maintenant je vais directement aller à la salle, je vais aller faire mon cardio. Cet après-midi j'ai rendez-vous chez Canal 3, donc Canal 3 c'est une radio de ma ville, et normalement je passe aussi directement chez Télébilingue qui est une télé dans ma ville aussi. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient m'interviewer, je pense par rapport à mes compétitions, le fitness, etc. Donc voilà, je vais faire mon cardio maintenant, je rentre manger, cet après-midi je vais, c'est radio, télé, etc. Et puis j'irai faire les jambes ensuite. Look, ok, I'm back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. Back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. New life is something like a dream. Dream faces busting out the. New life is something like a. Blue faces busting out the. New life is something like a dream. I am not friendly, I came for the paper, look baby, don't get it confused. I see them paying the play, they be paying for pussy, my nigga, I'm paying my dues. They cannot see me unless I'm on TV and times when they happen to turn on the news. I am not worried about shit but the money, cause you cannot buy shit with all of them views. I've been on 10 like 4th grade, same nigga but I'm more paid. Lame niggas throwing more shade, but you know it don't faze me. I'm blowing out gas to the hole with hazy. With a new chick cause my old bitch crazy. Just a young player that the West Side made me. But how could you blame me and how could you tame me? You can't pop in that pussy, you claim you a saint. Do what they can and they hate what they ain't. But I am the greatest, that ain't for debate. Raising the stakes and I'm eating them too. Alors je viens juste de revenir du cardio, j'ai donc fait 40 minutes de Stairmaster. Là il est midi et demi, j'ai une heure pour manger, me doucher, me préparer. Donc je dois un peu me dépêcher. Ensuite j'irai à la radio, enfin au journal. Je veux juste vous montrer, j'ai reçu mon paquet NU3. Alors j'ai repris du maca. J'en ai encore mais bon. C'est pas grave. J'ai repris toutes mes sauces, enfin toutes. Des sauces. Comme ça j'ai le stock, j'ai pris les barbecues et puis mayonnaise. Donc j'ai pris 4 fois barbecue et 2 fois mayonnaise. Ensuite, des beurres de cacahuète, comme toujours. J'en ai pris 3. J'ai pris du collagène. Et finalement, j'ai repris mes muesli. Donc j'ai pris 3 fois le noix de coco. C'est vraiment mon préféré. Mais le chocolat est bon aussi, hein, si jamais vous voulez essayer, je vous le conseille aussi. Et dernière chose, j'ai pris du coenzyme Q10, puisque j'en prends aussi chaque matin. Donc voilà, comme toujours, vous avez 15% avec le code CHLOE15 sur le site français et avec le code CHLOE sur le site suisse. Je vais me faire à manger, moi, je dois me dépêcher. Je fais des progrès ces temps, je suis en avance.
Mais là, je vais partir. J'ai rendez-vous dans un peu moins d'une demi-heure, donc le temps que j'y arrive, que je me parque, etc. Donc voilà, je vais aller me faire interviewer. J'ai décidé cette année de me lancer dans cette préparation, surtout pour me prouver à moi-même que j'en étais capable, voir aussi le résultat de ces 4 années de musculation. C'est un hobby, c'est une passion, c'est un métier? Alors c'est un peu les trois. C'est une passion totalement et c'est devenu aussi mon métier. Ça demande aussi énormément de discipline, forcément, de la détermination. Il faut vraiment pas lâcher, il faut être très discipliné. Même quand on n'a pas envie de le faire, il faut le faire quand même. Il faut aller faire son cardio, il faut respecter sa diète, son régime. Donc il faut vraiment garder en tête que c'est quelque chose d'extrême et absolument pas normal. Et c'est surtout quelque chose que je ne vais pas maintenir sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai perdu autant de poids vraiment pour la compétition et dès que mes compétitions seront terminées, je vais gentiment reprendre le poids perdu. Et le regard des autres personnes, de celles qui ne vous connaissent pas plutôt, il est comment? Alors souvent assez admiratif, impressionné. Mais souvent les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément dans ce sport pensent que c'est vraiment un niveau qu'on peut atteindre dans la vie de tous les jours, qu'on peut maintenir sur l'année. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. C'est que les gens qui me voient comme ça, par exemple, à la salle, souvent on s'approche de moi pour me demander « Waouh, ton corps, comment t'as réussi à avoir ce résultat, etc. » Et ils pensent que j'ai vraiment l'air de ça toute l'année, alors que c'est pas le cas, c'est vraiment juste pour les concours, le temps des concours. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve. Et souvent, l'après-compétition est plus difficile, puisqu'on n'a plus un objectif en tête, vraiment, on n'a plus une deadline, on n'a plus je vais être sur scène devant des centaines, des milliers de personnes. Là, ce sera vraiment juste pour nous et il faudra quand même tenir. Et une critique qu'on entend régulièrement, c'est qu'il y a du dopage dans ce genre de compétition. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive effectivement? Alors effectivement, oui. Dans ce sport, c'est vraiment quelque chose de très courant. Il y a aussi énormément d'idées reçues. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas arriver à un niveau pareil sans rien prendre. Ce qui est vraiment très dommage, à mon avis, puisque moi, je suis totalement contre tous ces produits, toute cette chimie. Honnêtement, il y a énormément de suspicions pour moi aussi, puisque j'ai réussi à atteindre quand même un très bon niveau. Et moi, je suis vraiment persuadée que si on fait le job, si on respecte sa diète, si on fait les entraînements, si on ne baisse pas l'intensité, si on ne se trouve pas d'excuses, on peut vraiment arriver à un niveau incroyable sans rien prendre. Mais malheureusement, bien sûr, dans ce sport, il y a énormément, énormément de dopage. Est-ce qu'il y a des contrôles, du coup? Alors, pas dans cette fédération. Il existe des fédérations naturelles où il y a effectivement des contrôles, mais pas dans celle-ci. Vous êtes très rationnel aussi là-dedans, vous savez que c'est pas bon pour le corps et vous déconseillez aussi peut-être ce genre de compétition à n'importe qui? Ah oui, totalement. Certaines personnes vont vouloir entrer, faire une compétition simplement pour perdre du poids, puisqu'elles se disent, voilà, si je m'engage à faire une compétition, je vais perdre du poids, je serai enfin bien, alors que pas du tout, il faut vraiment déjà être bien dans son corps avant de commencer une compétition, ou qui ont déjà des problèmes vis-à-vis de la nourriture, des troubles du comportement alimentaire. Je peux juste dire. Oui, vas-y. Alors, juste avant toute chose, pour une préparation pareille, ça se joue vraiment presque que avec l'alimentation. Puisque mes entraînements n'ont pas changé en fait par rapport à avant ma préparation et pendant. C'est toujours les mêmes entraînements, je m'entraîne toujours 5 fois par semaine, toujours aussi lourd, les mêmes charges, etc. Mais c'est vraiment l'alimentation qui fait qu'on va perdre du poids. Et l'alimentation que j'ai mis en place et que je pratiquais déjà avant, ça fait déjà depuis que j'ai commencé la musculation en fait que je pratique ce type d'alimentation, s'appelle l'alimentation flexible. Et c'est un type d'alimentation en fait où on va pouvoir manger vraiment de tout. On va se priver d'aucun aliment, mais par contre il faudra compter ses calories et compter ses macronutriments. Donc les macronutriments, c'est les protéines, les glucides et les lipides. Et en fait, on a un quota de protéines, glucides et lipides par jour à atteindre, qu'il ne faut pas dépasser. Mais ça permet vraiment de manger de tout. Donc moi, pendant toute ma préparation, chaque jour, j'ai mangé du chocolat. Et pour certaines personnes, c'est totalement inconcevable, puisqu'on a tendance à vraiment classer les aliments comme étant bons ou mauvais. Ou quand on se dit, ouais, je vais perdre du poids, je vais arrêter de manger du chocolat, j'arrête les frites, j'arrête vraiment tout ce qui est soi-disant pas bon. Alors qu'en fait, en faisant ça, on va vraiment pas tenir très longtemps. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de tenir, c'est que je pouvais vraiment manger de tout, mais il fallait juste que je puisse peser, compter, et que ça entre dans mes macros. Donc vraiment réguler les portions. Où est la limite entre être accro à compter les calories et être dans la normalité finalement quand on le fait tout le temps?
Alors, il y a une différence entre quand on le fait pour nous-mêmes dans un mode lifestyle, disons, si on a un objectif personnel de prendre du muscle, de perdre du poids, là, il faut être vraiment beaucoup plus flexible. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant 3 ans, c'est-à-dire que si on veut aller manger au restaurant, bah, il faut se dire, ok, aujourd'hui, tant pis, je compte pas, ou j'estime environ, c'est pas grave. Mais il y a une différence quand on est en préparation, là, on n'a pas le choix. C'est qu'il faut vraiment compter chaque jour au gramme près. On ne peut pas se trouver d'excuses, pas se dire bon, aujourd'hui je mange dehors, c'est pas grave, non. En préparation, on est vraiment précis au gramme près. Mais après, c'est vrai qu'en off-season ou après les concours, il faut être vraiment beaucoup plus flexible et se permettre des repas libres, des choses comme ça. On peut pas avoir un tel corps comme ça toute l'année, on peut pas garder ce taux de masse grasse tout le temps parce que c'est dangereux. Mais si vous pouviez, imaginons, garder ce corps, garder cette masse grasse, est-ce que vous le feriez? Alors, pas forcément, non. Puisque c'est drôle, j'ai envie de dire, de se voir comme ça, de voir nos abdos, de voir tous nos muscles, vraiment, on voit vraiment chaque muscle de notre corps, on voit les veines, etc. C'est vraiment, c'est assez rigolo, mais après c'est vrai que c'est pas comme ça que je m'aime le plus. J'aime quand même avoir un petit peu plus de masse grasse, avoir un peu plus de forme, se sentir un peu plus féminine, honnêtement. Donc, même si je le pouvais, je pense pas que je garderais ce corps. Parfait. C'est bon? Alors, je viens de terminer l'interview chez Canal 3, qui est donc la radio. Et demain matin, je me suis fait avoir parce qu'à la base, je voulais pas forcément trop. Demain matin, j'ai la télé qui vient au fitness directement. On se retrouve sur place. Ils voulaient des images pendant que je m'entraîne. Donc voilà, ça devrait sortir normalement la semaine prochaine, mardi ou mercredi. Dans cette vidéo, il n'y aura pas le lien puisque ce ne sera pas encore sorti. Je vous mettrai dans la prochaine vidéo, je vous mettrai les liens vers les reportages directement, comme ça vous pourrez les voir. Alors il est 17h30, j'ai mangé un truc avant. Là j'ai fait aussi une micro-sieste de 10 minutes parce que je suis crevée. Et puis là maintenant je vais aller m'entraîner, donc j'ai les jambes en hypertrophie cet après-midi. Enfin aujourd'hui pardon. Honnêtement j'espère vraiment pas que j'ai trop de volume parce que je pense pas que je vais pouvoir l'encaisser. j'ai pas regardé mon programme encore, honnêtement on verra, mais dans tous les cas je vais adapter si besoin parce que je préfère vraiment m'être un peu plus léger, me concentrer sur le muscle vraiment qui doit travailler plutôt que vouloir absolument faire des perfs et risquer aussi de me blesser, surtout avec le bas de mon dos qui est déjà dans un très mauvais état. Donc voilà, je vais adapter si besoin. Enfin, franchement, il n'y a pas de souci du moment que je m'entraîne quand même et que c'est quand même dur pour moi le jour, ce jour-là. C'est que je me pousse quand même et que c'est quand même efficace. Même si j'arrive pas forcément à atteindre les charges ou les répétitions données dans mon programme, ça ne veut pas dire que ça sert à rien. Alors, il est 19h30, je viens de finir mon entraînement. Et honnêtement, c'était un des entraînements les plus pourris que j'ai eu de toute ma préparation. C'est-à-dire que je suis franchement au bout. Aucune énergie, aucune force. J'ai fait des squats, j'ai fait 2 séries de squats à 60 kg. 2x8. 2x8 reps à 60 kg. Je sentais le bas du dos aussi en fait, c'est surtout ça. Ensuite j'ai fait des deadlifts aussi à 60 kg. Là j'ai fait 4 séries de 10. Enfin j'ai fait des deadlifts conventionnels mixés à des deadlifts sumo. J'ai fait entre 8 et 10 répétitions. Et puis j'ai fait, ensuite j'ai encore fait des squats serrés pour plutôt les quadriceps, ça allait, j'ai bien brûlé les quadriceps. Puis j'ai encore fait un truc, bref, c'est pas très important ce que j'ai fait, j'ai pas tout à fait suivi mon programme, mais c'était tellement frustrant, je suis frustrée à mort, j'ai à chaque rep presque, déjà j'avais envie d'abandonner à chaque rep, à chaque fois je me disais vas-y rentre chez toi, mais surtout j'avais envie de pleurer à chaque répétition tellement elle était difficile et tellement j'ai pas de force et tellement j'aime pas ça en fait et ça me frustre, j'ai un niveau de frustration là, c'est un truc de malade et ça m'énerve en fait parce qu'à la base je fais ce sport quand même parce que j'adore ça et puis là en fait je déteste m'entraîner en ce moment. Enfin il y a des jours ça va mieux que d'autres, hein. Je veux dire lundi j'ai eu une très bonne séance quand même mais là c'était horrible, j'ai juste envie de rentrer chez moi, j'ai juste plus envie de m'entraîner. Et là je me rends compte que je suis vraiment en fin de préparation quoi et que je me réjouis vraiment de faire la reverse et d'avoir plus d'énergie et de soulever de nouveau comme avant et de soulever lourd et de kiffer mes entraînements en fait.
Bref, je suis très très négative, mais là c'est juste ce que je ressens en ce moment et c'est juste un truc qui fait partie de la préparation et ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc, faut l'accepter. Faut quand même se pousser parce qu'honnêtement, si je m'écoutais, ça fait une heure que j'aurais déjà été chez moi. Hein. Mais voilà, c'est juste cette frustration perso que j'ai de la peine vraiment avec ça. Bref, parce que j'aime trop m'entraîner habituellement et puis là, puis voilà quoi. Je vais aller manger. Et je vais aller me coucher parce que je pense que la fatigue ça joue aussi beaucoup là-dessus et je sais que j'ai pas du tout priorisé mon sommeil ces derniers jours et je sais que c'est ma faute totalement, c'est une connerie, c'est voilà, j'avais trop à faire et au lieu d'aller au lit, bah, je voulais finir tout ce que j'avais à faire donc voilà, c'est totalement ma faute aussi, il faut que je fasse un peu gaffe ces derniers jours, que je me couche plus tôt, que je dorme plus. Et puis ça ira mieux. Et d'ailleurs, j'ai mis un post sur Instagram hier soir. Je vais vous le mettre ici. Comme ça, vous pouvez aller lire si vous voulez. Mais je dis dedans que gagner ou perdre, c'est un choix. Si je prends l'exemple des compétitions, oui, ça joue beaucoup qui se retrouve sur scène avec vous. Ça, j'ai pas à dire. S'il y a une fille qui est 15 fois mieux que toi, ben voilà, c'est pas toi qui contrôle. Mais une grosse partie du classement, c'est quand même le choix de chaque participante. C'est-à-dire que, est-ce que tu as choisi d'être prêt avant de commencer une compétition? Est-ce que tu as soulevé lourd? Est-ce que tu as été en surplus calorique pendant quelques années avant de te dire, tiens, je me prépare pour un show? C'est-à-dire, est-ce que tu as suffisamment de masse musculaire? Donc, est-ce que tu as le niveau? Est-ce que tu es vraiment au point avec ta prep? Est-ce que tu respectes vraiment tes macros? Est-ce que tu fais jamais de cheat? Est-ce que tu vas faire ton cardio? Est-ce que tu fais chaque minute de ton cardio? Est-ce que tu vas faire tes entraînements? Est-ce que, même quand tu n'as pas envie, est-ce que tu le fais ou non? Est-ce que tu priorises ton sommeil? Ça, c'est ce que j'ai pas fait moi. Est-ce que tu manges des aliments qui sont riches en nutriments, qui vont te donner de l'énergie? Est-ce que tu fais ton posing? Est-ce que tu le fais encore et encore et encore? Ou bien est-ce que tu mets cet aspect qui est pourtant très important, est-ce que tu le mets de côté? Est-ce que tu te trouves des excuses? Est-ce que, tu vois, ça c'est tout des variables, toutes les variables sur lesquelles t'as du contrôle. Si tu donnes ton maximum sur chacune de ces variables, si tu fais vraiment de ton mieux sur chaque petite chose que tu peux améliorer, tu vas gagner, c'est à toi de choisir de gagner. Et si tu fais pas tout ça, tu fais pas de ton mieux sur chacune de ces choses, et ben c'est juste que tu choisis de perdre en fait. C'est uniquement ta faute, c'est uniquement ta responsabilité. Et c'est pas les juges qui savent pas juger, c'est vraiment à toi en fait. Et là je prends l'exemple d'une compétition, mais c'est pour tout dans la vie en fait. Chaque petite chose que tu fais, est-ce que tu fais vraiment de ton mieux pour avoir les résultats espérés? Est-ce que quand tu as ton objectif, est-ce que tu fais vraiment, tu travailles sur toutes les petites variables sur lesquelles tu as du contrôle pour arriver à cet objectif-là? Quel que soit l'objectif, hein, je veux dire que ce soit pour passer un diplôme, que ce soit pour, je sais rien moi, pour ouvrir ton entreprise, pour, enfin, peu importe, dans tous les cas, tu choisis si tu gagnes ou pas. Mais il faut faire des choix chaque jour. Chaque jour, faire les choix qui te rapprochent de ton succès, de ta victoire, du résultat que tu veux. Voilà, je voulais juste dire ça. Vous pouvez aller lire le post, c'est un peu presque ce que je viens de dire maintenant, mais vous pouvez aller lire si jamais sur Instagram. J'ai fini avec ma minute philosophique. Alors, on est vendredi matin, il est bientôt 9h, il est bientôt 10h, et j'ai rendez-vous à 10h à la salle avec Télé Bilingue, qui est donc la télé locale de ma ville, une toute petite télé, mais bref, ils veulent faire un reportage sur moi, comme je vous ai dit. Donc, il faut que je me dépêche, il faut que j'y aille. J'essaie de vous filmer ça, et je vous dirai après comment ça s'est passé. Voilà, il faut que je suis trop en retard.
Alors, je viens de terminer l'interview avec Télébilingue. C'est très bien allé. Normalement, il y a publié ce soir à 19h, donc je pourrais vous mettre le lien vers le reportage. Là, je viens de faire aussi mes 40 minutes de cardio. J'ai fait 40 minutes de Stairmaster. J'aime bien faire du Stairmaster ces temps. Et puis là, je suis dans la salle derrière pour faire du posing. Donc, je vais faire 20 minutes de posing environ. Alors, je viens d'arriver chez moi, il est 13h30, je n'ai plus mangé depuis 8h ce matin parce que on a fait 2 heures de tournage, j'ai encore fait mon cardio et du posing pendant 1 heure. Donc là, je vais manger quelque chose, j'ai encore un call maintenant à 1h30, il va m'appeler d'ici 5 minutes, je pense. Et puis ensuite, je vais enfin pouvoir manger. et cet après-midi, fin de journée, je vais retourner à la salle pour faire le haut du corps, mais cet après-midi, il fait trop beau. Il fait pas très chaud, il fait 15 je crois, mais il y a un immense soleil. J'ai envie de profiter du temps, il fait vraiment un temps magnifique. Mais je dois aussi éditer toute ma vidéo en fait. J'y pense maintenant. Chier. Je sais pas quand je vais faire ça. Alors je vais juste vous montrer, j'ai commencé à préparer des aliments un peu pour les prochains jours parce que demain je commence la nouvelle Peak Week. Donc là je suis en train de cuire du fenouil, ici des haricots verts. Là j'ai du poulet, des champignons, là j'ai encore de la courge qui est en train de rôtir au four. Puis dernière chose encore, j'ai fait aussi du poisson, donc là j'ai 600 g de poisson. Voilà, je viens de tout finir de cuire. Donc là j'ai le poisson, le poulet, la courge, champignons, fenouil et haricots. Comme ça j'ai la bouffe qui est prête pour ce soir, pour demain, pour dimanche, peut-être encore quelque chose pour lundi. Je peux commencer ma pique-nique tranquille. Voilà. Alors, il est 19h30, là je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui j'ai le haut du corps. Mais je vais juste passer en ville, acheter de l'huile pour bébé. Il faut que je prenne un bain ce soir pour essayer d'enlever vraiment ce tan. Il faut que je commence d'exfolier aussi parce que d'ici samedi prochain, il faut vraiment que tout le tan soit parti. J'ai pas encore commencé de prendre des bains d'huile ou des choses comme ça. C'est ce qui va faire partir le tan en fait. Donc je vais vite aller en acheter maintenant. Comme ça, je peux prendre un bain ce soir pour enlever ce tan. Et je vais aussi me faire un gommage au café. Et sinon, cet après-midi, j'ai terminé d'éditer cette vidéo et elle est bien assez longue. Donc je vais la terminer ici et puis demain je commence la nouvelle vidéo Peak Week. Donc ma Peak Week commence demain et je vais faire comme la dernière fois une vidéo entière sur ma Peak Week. J'essaierai de la faire plus courte que la dernière fois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. For you now.